avec Philippe Bonneman et Stéphane Pache, les organisateurs du Festival International de la Magie, première édition au Mans. Comment ça s'est passé, messieurs, cette première édition? Ça s'est très bien passé, palais des congrès plein, des gens heureux, des artistes heureux, on a donné le meilleur de nous-mêmes et les gens sont encore là une heure et demie après le spectacle. Donc les autographes, les photos, enfin voilà, que du bonheur, plus de deux heures de spectacle avec 11 artistes sur scène. Je pense qu'on a fait le job. Hein, Un carton, tout simplement. Un carton. Alors qu'est-ce qui fait le succès de la magie en général? Les jeunes et les moins jeunes, hein, puisqu'il y avait un public. Le public déjà. Voilà, alors les gens de la ville du Mans ont été très étonnés de la moyenne d'âge, parce qu'on va aussi bien dans du très bas que dans du très haut. J'ai eu plein de personnes de plus de 70 ans, 80 ans, etc. Et c'est vrai que Julien était très très étonné. Et ce qui fait le succès, c'est la diversité. Bon, forcément la qualité du spectacle, mais également la diversité des numéros. Et les numéros au top niveau, quoi, et entre les champions du monde, vice-champions du monde, etc. etc. Donc, et puis, notre habitude d'organisation, si je puis dire, hein, on est très complémentaires tous les deux. Et... Oui, moi, j'écoute tout le temps Philippe parler parce qu'il adore parler. Il le fait tellement bien que je préfère que ce soit lui qui le dise. Bon, alors, le casting, comment vous le faites là? Alors, on les recrute parce qu'on les connaît. Depuis, tous les deux, on fait des festivals depuis entre 10 et 15 ans. Donc les artistes, on les connaît, on les fait travailler dans d'autres festivals. Et la première année, c'était important de faire un truc, qui, comme tous les ans qu'on fait ailleurs, d'ailleurs, qui tient la route. Et on a pris aussi les copains, les gens dont on est sûr qu'ils seront là, etc. Et puis après, chaque année, on crée notre plateau en faisant une vraie diversité comme on a vu aujourd'hui, avec encore des numéros différents parce qu'il y en a plein. Les gens se disent, mais qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Non, ne vous inquiétez pas, on a de la réserve. Ouais, le plateau est déjà prêt pour l'an prochain. Ah oui, c'est déjà prêt pour l'an prochain, absolument. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Eh bien oui, des gens que vous voyez à la télévision dans l'émission de diversion. Tim Silver qui fera partie de l'équipe de diversion, qui est un jeune magicien de 30 ans qui fait des très grandes illusions, qui est super dynamique, etc. Zach et Stan qui sont des magiciens mentalistes, comiques, humoristiques, qu'on vient de voir sur diversion et qui commencent à faire parler beaucoup d'eux, qu'on va revoir dans d'autres émissions télévisées, dont Les Incroyables Talents aux États-Unis, etc. etc. Et puis un Serbe qui fait apparaître des bouteilles de champagne, voilà, des numéros uniques au monde. Enfin, là, on va avoir vraiment des numéros uniques au monde, en tout cas, voilà, au monde. Plus d'autres surprises, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais voilà, donc les places sont déjà prêtes à être réservées dès maintenant. Bientôt en vente. Bientôt voilà, en vente. Réservé. Alors, c'est sur Ticketnet et France Billets, c'est la FNAC, entre autres, mais ça sera en vente d'ici 15 jours. Là, on a fait des préventes après le premier Festival International de la Magie, de ce soir. Et donc là, après, ça va être mis en place très, très rapidement. Ce qui est bien aussi, c'est que vous faites jouer le public. Bah oui, on les intéresse, on les fait jouer. Je prends des enfants, Stéphane prend des adultes. Dans d'autres, les prochaines fois, il y aura encore plein de surprises parce que Stéphane m'a dit « garde-en sous le coude hein. ». Donc j'ai gardé plein de numéros pour les prochaines fois. Donc on a encore des grosses réserves. Combien de temps de préparation avec l'équipe? Un an pour faire toute la préparation, la vente des places, etc. Mais également, après, on est là depuis 2 jours. Et puis tout en amont, on se téléphone tous les jours. L'organisation, les places, les artistes, les dépliants. Voilà, il sait faire les choses bien. Voilà, les dépliants, les programmes du festival. Voilà, c'est un perfectionniste, tout comme moi. Voilà, non mais c'est vrai. Il y a une page Facebook hein, pour suivre le Festival de la Magie. Festival de la Magie, Festival de la Magie, de Magie. Festival de Magie, Le Mans. Le Mans. Mais il n'y a pas que Le Mans. On a d'autres festivals. On a d'autres festivals. Oui. Et dernière question, Le Mans, pourquoi ne pas faire ça en 2 journées? Le samedi et le dimanche, pourquoi pas? On va le faire. Je pense qu'il y a de la demande. Il y a de la demande. Sur les 2 jours. C'était la première année. Voilà. On a la preuve, le palais des congrès était complet. Ce qu'on souhaite, c'est faire le dimanche après-midi. On va y réfléchir, on va regarder un petit peu comment se passent les réservations. Mais on aimerait bien faire 2 jours. C'était aussi un week-end de vacances scolaires. Donc il y avait aussi des gens en vacances, etc., etc. Mais on souhaite faire 2 représentations, bien sûr. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.